brood in solitude. Come listen to a soothing interlude. Out the shadows unite and step into the light. I'm Alan the Dale, and yes, I dare share my cautionary tale. Do you remember King Richard? From the Holy Land to the Moldy Land, the Crusader returned with... the Lionheart! The Lionheart. The legendary stone, pulsing with mysterious wonder. A jewel so precious, it made England's richest richer. And a core so powerful, our technology lives beyond engineers' fantasy. But a treasure so bloody cursed, it attracts the greedy, the treacherous, the murderous thief. Oh, Richard! He who stole the Lionheart met the sad end of its previous owners. Aren't we sick of the Sheriff's tyranny? Don't you hate this pack of usurpers? His gang of thieves feast in Nottingham, laughing at the famished and spitting on the commoners who built this very land. Our motherland. Alan O'Dale, by executive order of the Crown, you are under arrest for propaganda against the Sheriff of Nottingham. Sons and daughters of England, unite! Let us rise against the degenerate oppressor! Silence! For there is a new gang in town! Come with us. Sherwood steals from the rich to give to the poor! We are going to war! And we're recruiting! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo découverte sur la chaîne et on va faire ensemble Gangs of Sherwood. Voilà, histoire à tourner bien sûr autour de la forêt de Sherwood. Donc, Robin des Bois, le jeu sort initialement prévu pour le 5 octobre 2023 et il a été complètement décalé d'ailleurs à la sortie, hein, il a été un peu repoussé. Car actuellement il serait plutôt prévu pour le 30 novembre. Voilà. Et là, actuellement, donc il est sur PS5, Microsoft Windows, Xbox Series. Voilà, c'est donc sur de la next gen qui va sortir. C'est développé par Appeal Studio, édité par Nacon. On va voir ce que c'est dans l'idée. Je pense que ça sera plutôt dans le. Il va y avoir de l'XP, donc avec un jeu de rôle. Jeu de tir et jeu de combat aventure. On va avoir un tout petit peu le gameplay bien sûr ensemble. Je vais vous donner mon opinion, mon ressenti, manette en main. Point fort, point faible. C'est parti, nous sommes donc à la version Early Access légère, hein. Vous savez, quand vous commandez maintenant, vous avez les jeux légèrement à l'avance. C'est le cas que j'avais envie de vous proposer parce que le jeu a l'air quand même sympathique. Il a des défauts déjà un petit peu sur les animations. Il est un peu raide, mais on va voir ça ensemble. Donc pour le moment, on va partir sur du hors ligne. Le mode hors ligne active toutes les fonctionnalités relatives au multijoueur et à l'animation. Et vous n'avez même pas besoin de vous connecter sur internet. Vous pouvez le jouer de totalement de façon locale. Et ça, c'est cool. Faut avouer, hein. Voilà, ça fait le petit plaisir en ligne. Donc qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Il va y avoir de la coop jusqu'à 3 joueurs. Et il y aura, c'est pas du PVP, mais juste du JCJ, hein, je vous le dis dans les deux versions. Voilà. On va partir sur du hors ligne tranquillement. Alors, attendez, qu'est-ce que de luxe, pas luxe, pour luxe. Alors, attendez, flou mouvement, on va mettre tout est à 75, ça me semble plutôt correct. Configuration manette moderne, ouais, d'accord. Et français, voilà, tout va bien. Bon, on a pas beaucoup de paramétrage libre, je crois que c'est chance avec la question de luxe normal. Robin
C'est pas important. Nous avons 4 classes actuellement. Est-ce qu'ils en rajouteront dans le temps? Tout ça, j'en sais rien du tout. Mais pour le moment, nous avons Robin, bien entendu. Loxley, prote de Loxley. Robin des Bois, quoi. Belle Marianne, bien entendu. Nous avons frère Tuck et Petit Jean. Voilà, les amis. 4 héros, 4 styles d'hôtes tellement différents. Lui. Il est de type archer. Qu'est-ce qu'elle fait, la mademoiselle Belle-Marine? Je crois que c'est la rapière avec une épée tout à fait. Sa grosse massue. Et elle a l'air d'avoir un bras armé, ma foi. C'est ça, Petit Jean? Ouais, ça a l'air d'être ça. Oh oui, c'est ça, exactement. Donc on va commencer bien sûr avec la base de la base. On va partir avec Robin. Et on va voir si dans cette vidéo je vais tourner ou je vous fais vraiment une découverte plutôt spécifique. Je pense qu'on va plutôt partir sur ça par valeur sûre. Si ça vous plaira, hein, et que ça vous plaît, vous me dites dans les commentaires et il y aura moyen qu'on enchaîne tout ça. Si ça vous plaît vraiment, on ira jusqu'à la phase du HL, du endgame. Vous savez comme je fais sur la chaîne. Tout dépend bien entendu de vos retours. C'est vraiment vous qui comptez. Hein, parce que moi, sinon, je joue dans mon coin et personne ne voit rien et je m'amuse tout autant. Voilà. C'est parti. Donc, ah ben on va pouvoir voir comme ça, je vais pouvoir faire peut-être des bacs. Oui, tout à fait. Donc, flèche brillante, une flèche qui file à la vitesse de la lumière. Oh, c'est tireur fou. Et après, flèche étoile. Pour le moment, il va avoir deux styles. Je peux pas revenir en arrière pour vous montrer. Ah, là, ça parle. Donc, qu'est-ce qu'elle a, belle Marianne? Ah, il faudrait s'appuyer. Tout à fait. Restons appuyés. Duel de Damoclès, donc elle met une épée. Ah, c'est sympa! Petite rapier, regardez, avec portée comme ça. Ouais, stylé. Et une poussée de flux prolongée, voilà, une attaque qui part de loin. Je vous présente quand même, c'est important. Frère Tuck, bon, alors lui, c'est le gros bourrin. Oh, c'est stylé en vrai. Avec une onde de choc horizontale, hein, un petit peu à la Renoir Zoro ou dans l'univers One Piece avec les coups tranchants, vous savez, qui se propagent avec de la magie. On aime ça. La culpabilité, alors une onde de choc suivie d'une traînée de flammes, folie, extraordinaire. Et pour finir, le petit Jean, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors lui, ça va être le cac, hein. Corps à corps énervé, voilà, c'est quoi? Une attaque thermique et... Waouh, ok, une attaque au sol. Ok, ils sont tous les trois avec un style différent, hein. Donc corps à corps, masse, vitesse et la distance. Et bien Robin est le seul à utiliser la distance pure et dure, hein. Donc on va partir avec Robin des Bois, c'est comme son histoire. Il faut que je choisisse ou pas? Je pense pas, je pense que c'est juste pour te montrer. L'appel du grand chêne, bien entendu. Sherwood, la forêt. On va voir un petit peu tout ça. Alors déjà on a un chargement qui dure un petit moment. Niveau graphisme, on peut dire ça n'a pas l'air vilain. Les personnages ont l'air d'être bien modélisés. On va voir tout ça avec leur univers et les décors qu'on va voir un instant. Oh jeez, what took you so long? Are you trying to beat your weekly arrest record? I cannot deprive the crowd from my talents as a raconteur! They demand it! Right. That cage tells a different story, Jester. That? Research for my next show? The Great Escape! A working title until I find something more... catchy. Get it? Ooh, I have to write this down. Des bras robotiques derrière. We have to wait until we make it to Major Oak. What a lovely idea! I could use a little writing retreat. Translation, a hole to hide in until the sheriff's men forget his face. Well, to Major Oak then. The town of Loxley is refusing the tax bill. The resistance has to know. Ok, donc c'est le conteur un peu de l'histoire, il nous donne nos missions. Est-ce qu'on peut switch de personnage ou pas après? On va verra, hein. Tout ça. Alors déjà, écoutez, graphiquement c'est... plutôt propre, c'est plutôt mignon, on va dire. Franchement, ouais, on a une bonne végétation. Ça fait plaisir. Les animations des flammes et tout, propre. Rien à dire. Ouais, ça va, c'est un bon graphisme. Le moteur est plutôt solide. Oh, il y a l'air d'avoir des trucs un peu du futur mélangés à Robin des Bois. Ok.
Ah, il a une animation de course un peu raide. He's right. Me to wait. Ah, l'hydromel, bien entendu. Voilà, il nous fait une petite histoire. C'est, il a l'air d'avoir des capacités pétées, lui. Hein. There you are. Ok, alors ils utilisent des charges d'éther ou un truc comme ça. Alors comment ça se joue? Attaque légère, attaque lourde. L'attaque lourde en mettant une attaque au corps à corps. Ok, simple et efficace. Over these obstacles. Bon dire. Qu'est-ce qui est particulier cette touche pour passer à travers les obstacles? Je vais pas m'en rappeler. Si c'est fait. Donc quand tu... Ah, c'est l'attaque légère. Ah, c'est à la Dark Souls. I say jump, you say... Les touches, hein, seulement, commencez pas. How high can you get if I throw you in the air? Wrong answer. Ah, en haut, je vois les flèches. Gang, le niveau, pardon. Traverse, voilà. Ok. Ah, c'est pas mal de mettre la vie en haut à gauche. Ça vous donne un côté panorama assez intéressant. Je trouve que justement, ils ont mis en haut à gauche la vie, tout ça. Mais à droite, d'avoir mis la mission actuelle, l'argent ou le pot qu'on a, c'est un peu gênant. Je l'aurais mis un peu plus haut. Ah, we're getting close. Still got that fancy gear? All right, time to fly. Ok, grappin totalement shifté. Ok, c'est un garde, il a du piquant. Ah, tu peux charger tes attaques. Ok, elle est là pour faire un blocage. Rond pour une esquive. Oh, j'aime le gameplay. Je tiens à vous le dire, c'est stylé. Voilà, c'est très bien. Le mode de visée est plutôt classe. Oh, l'eau rend totalement bien. J'aime bien justement l'univers de Robin des Bois. L'Angleterre, vous savez, tout ça. Ça rend trop bien avec... c'est un bel univers, quoi, je trouve. Avec la forêt et tout, c'est totalement stylé. Alors, attendez, c'est des ennemis, ça? Non. C'est la résistance, ça. Ok, donc on va voler aux riches pour donner aux pauvres. Hein, c'est la base. Donc on va certainement avoir des missions ou des trucs. The people of Sherwood are dying. Help us, please. C'est là-haut. Donc c'était le petit coin de... Oh, c'est vraiment sympathique, hein. Donc ça se joue coop aussi, hein. Pas local, que online. Voilà, vous pouvez pas jouer à plusieurs dans la même console, hein, je veux dire. Oh, c'est complètement stylé. Un petit peu comme on a fait à Ark, vous savez, avec les pontons accrochés aux arbres. Major Oak is right behind those trees. Use the zip line to cross over. Hurry up. We don't have all day. Tu t'es calé, toi. Allez, tyrolienne, mon gars. Je peux pas tourner la vue, malheureusement. Ce Major Oak. Oh, I missed the place while I was on tour. Ok, on arrive dans une ville apparemment. En haut, on a une boussole. Hein. Ça, je la vois pas tourner, mais normalement, on devrait avoir une boussole pour nous indiquer les lieux et les niveaux des missions. Est-ce que le jeu va utiliser des quêtes, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez, tout comme ça? Bon, la mission reste direction le QG de la résistance. Ça a l'air d'être là. Je prends mon temps, hein, j'essaie de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Salut! Ah, attention. J'ai fait la rue aérienne non volontairement tout à l'heure. Je suis par réflexe. J'aime bien les animations de l'eau et tout, sont très très stylées. Vous avez vu, même les pierres sont plutôt bien représentées. Il y a pas mal de petites... regardez, vous voyez, c'est pas baveux. Attends, je suis prêt, hein, j'essaie de vous montrer vraiment. Voilà. L'effet graphique, ça, c'est toujours intéressant. Oh, what's keeping you? Chop, chop. Bien entendu, ça prend... C'est pas le truc le plus important pour moi, c'est le gameplay à la base. Mais on va dire que ça fait toujours plaisir, hein. Oh,
Oh, tu peux faire un juggle, mon gars. C'est stylé. Ah ben merde, il fallait faire un combo. J'ai pas fait exprès, je fais ça d'instinct. Thanks for the company. Do come and see me later. I have many stories to tell. Oudelari, la belle aventure. Excellent. Ok, le grand chêne, donc c'est le QG de la résistance. En plein cœur de la forêt. Donc, comme toutes les découvertes, je prends le temps que je veux. Hein. Voilà, il n'y a pas de durée dans les découvertes. Et voilà, bien entendu, vos retours vont être importants. Sur Achille, vous m'avez fait plutôt des bons retours. On reviendra pour le MGG+, parce que c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que tu veux, flèche? Okay. Robin peut créer une salve de flèches étoiles et abattre sur un ennemi pour infliger des dégâts très importants. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, donc c'est du R2. D'accord, pourquoi tu veux que je fasse ça? Et ensuite, t'as le R1 légère, chargée. Oui, mais je sais tout ça. Pourquoi tu me redis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, on va faire dans l'ordre. Classy! Ok, on enchaîne. Ensuite, on y va. Donc, tu maintiens. C'est bon? This is one for my next show. I'm impressed. Ok, utilisez la carte de la résistance pour lancer une mission. Donc nous avons les modes entraînement. Ici nous avons une mission qui est ici. Donc c'est le hub un petit peu les amis. Le système de visée est assez... Ah regardez, il y a des flèches qui apparaissent autour de lui. Ah ouais, ok, il utilise de la magie et les flèches se mettent à se poser dans les airs. Et au moment où il lâche, tout lui revient dessus. Sa mitraille sec. Donc, en haut à droite, nous voyons qu'il y a des rangs. Il y a des coffres à genre à ouvrir. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre... Est-ce qu'on a des trucs? Alors, regarde. Personnage. Ah, donc techniquement, peut-être qu'on peut changer de perso, les gars. On va voir ça. Nous avons social, haute mission, difficulté, personnage, graphisme, audio, commande. Parti. C'est tout? Interface. Ça manque un tout petit peu d'options. J'aurais bien aimé vous mettre les sous-titres un peu plus grands. Voilà, je sais que ça rend pas super bien des fois sur YouTube tout ça. Donc ça aurait été quand même plus agréable pour vous. Il faut aller là. Ouais, c'est un concept. Le hub avec tout l'armement et tout. Alors on va essayer. Donc il est là. Tu vends des trucs, qu'est-ce que tu nous fais après? Donc c'est pas lui qui fait les missions. Je vois ici un forgeron. Bah c'est pas un forgeron. If you have to battle, do it. Ah c'est des tenues. Donc la tenue classique termine plus de missions d'histoire et t'obtiens le maraude, résistance. Origine, chasse et croisade, bien entendu. Ah, ça c'est parce que tu es DLC. C'est un peu énervé. Le prestige est beau, hein. Je sais pas si tu peux t'en équiper. Ah, je les active et on s'équipe de... Moi, ma couleur préférée reste le rouge, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, le gros penchant est là. Mais je pense que ceci est tellement stylé qu'on va partir là-dessus. Hein, voilà, clac. On s'est déjà fait plaisir. Détail. Alors, est-ce que ça s'améliore tout ça? Apparemment, oui. Ah non, c'est que du cosmétique, lui. Hein. Fuel cosmétique. Ah, tu peux faire des mixtes. Tu peux changer l'arme, l'armure, le manteau et mélanger. Ah, c'est sympa aussi ça. Ouais. Eh, j'ai pas validé, c'est ça l'histoire. C'est bon? Voilà, j'ai réussi. C'est déjà pas mal.
entraînement. Est-ce qu'il y a du RPG, des notions avec les armes s'améliorent, tu vas obtenir du loot? Parce que ça, c'est un truc, bien entendu, ça resterait totalement bien dans l'univers. Et ça serait surprenant qu'ils ne le mettent pas. Pas plus de perte de temps pour vous. J'enchaîne. Ah, regardez. Oh, pétard, les gars. Vous cliquez, vous changez de héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu peux jouer toutes les classes à tout instant. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Franchement, on apprécie. Hein. Par contre, on sait pas trop où ils sont. Ok. Genre de crypte. Donc, pour le moment, on a trouvé ces petits gens, ça, normalement. Je dis pas de bêtises. Voilà. Où sont tous petits? Ah bah là, on a Fartok. Bah ils sont tous là en fait, ils sont là, voilà, ça va, on les cherche pas. Ah bah c'est magnifique. Mais franchement, là, là regardez, le hub est beau. Hein. Bon, j'aime beaucoup. Hein. Vieux château un peu abandonné. Et le jeu, alors apparemment, mélangerait un peu de toutes les époques. Ça a l'air d'être assez futuriste et en même temps ancien. C'est un concept qui est, ma foi, pourquoi pas. Comment tu fais? Carré, pardon. Acte 1, 2, 3, tout ça, tout ça. Ok. L'appel du grand chef, c'est là où on est. On va partir ici, bien entendu. Rejoindre la mission. Ouais. Mission 1, 2, 3. La récompense est en 3800. Ça a l'air dur. Hein. Difficulté héroïque, normale, facile. On va partir en normal, mais je sens que je sais pas pourquoi. Je sens que je vais souffrir. Mais on va essayer. Hein. Ça, on va avoir la difficulté. Donc, la chute de Loxley. C'est parti. Alors, il faut aller au théâtre. Il faut lancer la mission. Parfait. Donc, si tu joues en coop, tu vas avec tes copains tout autour du bouffon. Headed in the Vloxley. By order of Emperor John, I've come to collect our beloved tax. The sheriff needs your gold. Oh, all of it, please. To support the imminent crusade. Can't you read? It says you're only allowed to collect my boots up your ass. So bend over. Oh, I'm gonna tell the sheriff. How dare you? There's only one sheriff in town, and it's the thief of Nottingham. Is it the other way round? I get confused with words. Stop laughing at me! You have to pay! He's right, lads! You have to pay! You're lucky I need to change my pants, or I would. Loxley will pay for this! Uh oh. Mais ce petit interlude sympathique, quand même, hein? Avec les marionnettes, truc à l'ancienne et tout, ça reste totalement bien. Et dans le livre d'ailleurs, ça reste également dedans. Ou le Disney, c'est selon comme vous préférez, un des trucs que je kiffe aussi. Disney aussi. Alors, apparemment, on est attaqué, non? La ville est attaquée en tout cas. Oh, easy on the fireworks, folks. Bloody hell. Quit the tavern humor, kid. No firework could cause that level of destruction. Holy cow! We're under attack. Donc les trois ils discutent et tout, même s'ils sont pas présents. Ok. Impossible. My father wouldn't know how to find us. Sounds like his men are after civilians. Rotten bastards! We have to do something. Il a son souffle derrière, regardez-moi ça. Ah, petit problème d'animation, l'eau n'est pas descendue, on a rien vu. Il a fait l'effort, il a tenté de verser de l'eau. Ok. The tavern is down. Eliminate all survivors. Ah, ça fait un genre de combat. Zone de combat? Oh oui, tout à fait. Ah si. Watch this. Il y a un lock, il y a quelque chose dessus? Ah oui! Parce que c'est pas du tout expliqué dans le tuto.
Oh, vous êtes trop aimables, les amis. Alors, est-ce qu'il y a de la colère, tout ça? Did he lose his mind? It's payback for spitting on the tax bill. Fool. Dead folks don't pay taxes. We must lead the survivors to Sherwood Forest. Alive. Alors ça a l'air de rester assez action. Ça veut dire que fouiller tout ça pour le moment je ne vois pas. Ah, grimper, pardon. Where did the coward go? We'll handle him later. Let's deal with them first. Push them back. It will give people some time to escape. Not so bad. Off you go. Hooray! Oh yeah. Non, tu peux pas rester appuyé sur le coup, faut que tu fasses des petits vertus. Ok, la visée est plutôt instinctive, c'est pas mal. Ah! Regardez, on récupère de l'or. Qu'est-ce que c'est tout vert. Pitié, libérez-nous. Attends, bougez pas. Ouais! Ah, d'accord. Bon, il y a juste des villageois à sauver pour le moment, ça c'est sûr. Bon, lui, on pourra pas le sauver malheureusement. Ah, il y a de l'or des fois dans des endroits surprenants. Oh là, oh! On se fait canarder, mon gars. Cette histoire. That's some serious devastation. At this rate, there isn't going to be much of a town left. Fou, foutez là. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attendez. Est-ce qu'il y a une petite technique? Est-ce une catalex? Je sais pas, ça aurait été plutôt vers là, non? Bon. No C, on apprendra après. Oh, attention. Il y a un sniper là, qu'est-ce que c'est? Great. Il me bourre depuis tout à l'heure là. Libère les prisonniers, bon, c'est assez simple. Faut observer. Non, libère. That's an imperial dropship. Voilà. I heard these machines were being built for the next crusade. Whatever their purpose is, we'll smash them to pieces. What's this? Oh là là, mon gars, tu peux faire des jeux gars stylés, c'est vraiment beau. T'as un petit crâne, t'as vu quand il est kill? C'est important, au moins tu sais qu'il est mort, tu vois, voilà, là tu le sais. Ça valide, quoi. Non? Les gens, ils restent dans leur petite barque? Ah, il nous encourage lui. Pas mal déjà. C'est pas. C'est assez carré. Ok. Pas triangle. Je me suis trompé. Ok. Pour le moment, il n'est pas question de loot du tout. Any gold to spare, good sirs? Here you go, friend. But you can't stay here. Run to the forest. Ok. Là apparemment, hein, voilà, bloqué. Belfry Square, a sore reminder of the war. Wounded comrades from the battlefield were treated here. What happened to them? My friend Friar. Okay, franchement, voilà, bon petit dispensaire de Fanny. Maybe he led them to safety.
feel that. Great! Felt that. Ah, c'est une statue. Hop là. Love that sound. Allez, combo de 8. Je ne vois pas de... Qu'est-ce qui se passe? Now that's what hit us at the tavern. They're targeting strategic infrastructure. I must admit, the precision is impressive. The bombs are coming from beyond Sherwood Forest. Yeah, our next stop, after evacuating the city. Shining. Une petite musique épique, ils en pensent ça? Il a voulu me faire un petit imbloquable. Pas passé. Hein. Hop là. Donc vous pouvez varier les gameplays entre attaque forte, attaque légère. Après, il est incroyable. Robin, en vrai, ils arrivent presque pas à te toucher. Je sais pas si les autres classes sont autant violentes. Ah, attendez, il y a personne. Oh pétard, je prends feu. Ah là, ah, vous voyez, je vous avais vu. Oh, ils nous aiment, vous avez vu. Taxes, taxes, open up. Pay your dues to our benefactor, the sheriff of... Guards, get them. Bye, suckers. A tax collector, let's retrieve the people's gold. Close this. Où tu vas, espèce de fou? Suicide. Hein? Voleur de taxes. On a tout dans mon dos, hein. Classy. Shining. Rave. Oh yeah. Oh vilain. Oh vilain. Arrêtez comme ça, un Robin en pleine action. Je ne veux rien avoir avec la résistance. Cachez-vous. Ouais. Rendez-vous dans la forêt. Allez, on y va, c'est parti. Je crois pas qu'il y a des trucs à ramasser et tout, non? Attends. Ouais, en tout cas, ça a l'air d'avoir ouvert un truc. Il y avait une personne en bas, non, peut-être? Ou aurait, je sais pas. Oh! Oh, pétard. Pro et réanimation automatique. Alors, est-ce qu'il y a des boss énervés et tout? Ah, on a un petit bug graphique quand même. Arrivé dans le. The river. We could ferry people out of here. Lassie. Par contre, quand tu joues à plusieurs, mais tu les déboîtes, tes pauvres. Vas-y, j'ai un bloc qui joue à corps à corps, là, à distance, je sais pas quoi. Puis tu peux faire des combos, c'est-à-dire tu lui mets un juggle, là derrière il récupère. C'est assez violent, hein. Je sais pas s'il y en a qui soignent ou des bêtises comme ça. Attends, parce qu'il y a, je sais pas, il y a des zones partout, là. À notre question tout à l'heure, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Ben oui, voilà, oh putain, je me suis raté, mais d'une force incommensurable. Il m'a fait une animation que je ne voulais absolument pas. Et... Oh.
We need more time to fill the tank and escape. Oula, il a l'air d'avoir un de ses gardes. Guards, destroy that boat and drown those thieves in that river with every last one of those rats. For the sheriff. Il y en a beaucoup là. On a des petites animations pour dire attention shoot, regardez, vous voyez. Un peu là, hein. Non, viens pas, on va sauver des gens d'abord. Par contre ici on a un petit quelque chose. Ils te mettent un beau piège, on aurait grave rigolé. Mais bon, il nous faut un cadeau. Voilà. On a 500 pièces quand même, bonus. Là. 4 sur 5, apparemment ça nous met un boost. On tient des gens là comme ça. They just keep coming. There isn't much we can do. Il y a une visée autour, vous avez vu, je suis allé un peu plus bas. Ça a automatiquement tiré. Automatiquement mis en cible. Attendez. Ne nous précipitons pas. On est Robin des Bois, on n'est pas bête. Par contre, c'est quoi là-haut? Attendez, c'est parce qu'on le fait en intellect, c'est ça? Ah ouais, ça doit être ça. Ah ouais, c'est pas. Je sers du décor pour pouvoir prendre de l'avance. Un avantage, c'est absolument bon ça. Excellent. Serre-vous contre le muscle. I wouldn't mind having something to eat tonight. Des soins. Pétard plus que du soin, les gars. Niveau 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un genre de roguelite, c'est ça? Lui, il te met des boosts aléatoires. Est-ce ça? Fools! Sir Baker, the Nottingham. Alors lui, il a un bouclier Alors sachez que le tiré, il prend les dégâts quand même. I can't wait to collect the bounty on your heads. The sky bombs. Where are they coming from? Attendez, parce qu'il y en a un là, il se régale à me tirer dessus. But worry not. My blade will kill you before they do. Ha! Love that sound. Trace my blade. Classic. Le pauvre, il se martyrisait. Turn this town into a graveyard. Let's pick your spot together, big mouth. Off you go. You can't win against the sheriff. I'll crack one of your bones for every life you've taken. Pour faire un peu le kéké. Rain. I'll bash you to the ground. Parce que c'est pas assez bien. You're the curse of the Nottinghams. Ashamed to your blood. Elle tombe et arrête dans les conneries. Ne vous inquiétez pas, on va arriver. Ah bah c'est bon, le problème il fonctionne. Tu dis, on va devoir le débloquer. Où il va le jeu? Regarde, il y a des gens à sauver. Pitié, aidez-nous quand même. Ok. Pour le moment, on est en train de faire le S en flotte. Je crois qu'on s'est pris des bonus assez dingue. Bon, on s'est pas fait trop toucher non plus. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ce genre de petit mana. Ah, c'est du soin, je crois. Voilà, on se fait attaquer. Damn.
We should have kept him alive for intel. Now what? He's a Nottingham, all right, but too small for such an attack. The tactics at play remind me of someone I used to know. Some friends you have, John. Says the youngest in the most murderous and dictatorial family of all time. Come on, let's head to the forest and check on everyone. Victoire. Allez, on a fait B. Ce qui est pas mal. On n'a pas fait d'agonie. On a de l'or bonus. 6500. Comment ça se calcule ce truc? On a fait en moins de 16 minutes. C'est pas mal. Pour avoir une meilleure note, les gars, il fallait prendre moins de coups. On s'est fait trop toucher. C'est dommage. Oh là là, 8200 pièces, donc ça la cache. Et voilà. Fermé de rideau. C'est stylé. Ainsi s'achève notre récit. Attendez, avec l'or, ça a donné une genre de réputation, c'est ça? Donc ça voudrait dire qu'il n'y ait malheureusement pas de système de RPG avec des loots, des armes plus puissantes ou moins puissantes. Ok, on a un nouveau PNJ, Mademoiselle. Mademoiselle musclée. Quelle histoire? What can I do for you? Attendez, on a 8000 pièces qui nous permettent. Enfin, d'accord, t'apprends des combos. Alors, il y a des techniques. Donc, ici, c'est des techniques. Voilà. On frappe avec le grappin, tout ça, tout ça. Flèche perçante. Donc, tu fais R1, R1, R2. Oh, ok, ça se joue quand même au saut, ça. Vous savez, avec les combos, c'est pareil. Mais malheureusement, il manque un peu d'ennemis pour faire plus mon saut. Ça aurait été incroyable. On va acheter ça. Is that all you need? Je sais pas. Mais il y a des artefacts. Et d'Alster Rebelle, ok, c'est quoi? Des genres des capacités. C'est pas vilain ça, le frapper de grappin. Donc on a fait avec un problème. On va dire que franchement, ce qui serait intéressant, ce qui serait très intéressant, c'est que je vous fais switch. Hein. On va tester des trucs. Attendez, on a un personnage qui nous appelle à l'aide. Ok, d'accord, la pauvre, non seulement elle n'a pas trouvé son mari, elle revient, maintenant elle te demande des fleurs, c'est la crise. Ok, donc il faut cueillir de belles fleurs. Ok, jusqu'à là, on peut faire ça pour la dame. Alors, attendez, on va prendre Marianne. We stand with Sherwood. Voilà, on va varier les gameplays. Oh, la bonne souplette. Ils sont donc là. Nous avons Robin. Et ouais, ok. Donc, on va juste changer de tenue. Parce que là, c'était où déjà? Oh là là, je ne m'en rappelle. C'était là, non? Non. Ah, il y a un forgeron, les amis, quand même. Moi je suis curieux de savoir si est-ce qu'on va avoir droit à un système RPG assez poussé ou pas. Ça c'est l'entraînement. C'était où? Où était-ce? Ok, elle aussi a son petit grappin. Je trouve plus.
Apparemment, le PNJ il s'est enfui, il s'est barré. Il a laissé tomber. Ah bah c'est peut-être là, hein, franchement, en vrai. Mais c'était toi, non? Mais oui, pourquoi tu m'écris? Voilà, c'est la même chose en doré. Ah, you sure look stunning. And quests that make the heart so big. Voilà, comme ça on a plus du style. Alors là, ça va être plus de cac, hein. On va aller au corps à corps. Ça risque d'être un peu plus compliqué, plus voilà, plus fourbe. Pourtant, nous avons activé mission 2. Donc on y va. Alors, c'est pas la peine d'attendre, il faut aller en direction du lancement de mission. Voilà. Et tu restes dedans et t'attends. Il y a des émotes, des trucs comme ça. Tu fais coucou, salutations, amis. Spectacle. The city is under attack. Everyone, to Sherwood Forest, run. We did it. Your precious Sherwood Forest is already under my control. I will slaughter all of you weaklings. Oh. Oh no! They're running to their death! To the rescue! Voilà, t'as une petite le petit scénario qui continue de cette façon, c'est plutôt un délire. Ça reste bien, hein. Donc là, sur le coup, on a pris un autre personnage, donc on n'a pas de capacité, rien avec. Hein. Mais je pense que ça ne nous demande pas. Ok. Non, ça ne peut pas être. Poor citizens of Loxley. Si Sherwood isn't safe anymore, no place is. What about Major Oak? We can't let the enemy find the resistance's hideout. Let's go. Oh là là, les vilains, ils attaquent en but. Les gars, le lock, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, petit fouet. Oh yeah. C'est un corbeau mauve, trop bizarre. C'est un corbeau maléfique. The troops are invading through Edwinstone's bridge. Do you remember that shipment of explosive copper we borrowed last month? Oh, that? Yeah. I hid it myself, in a secret cave nearby. That'll do. We must destroy that bridge. Ah, c'est que Frère Tuck qui peut passer par là. Oh, très intéressant ça. Ça, c'est un système, ma foi, tout à fait malin. On n'a pas le bon personnage, donc on ne peut pas couper. Donc si tu joues en coop, déjà, utilité numéro 1. Faut penser aux fleurs aussi, hein. Soldiers ahead. This place, isn't it your brewing spot, Tuck? You bet their sorry bottoms it is. I also make honey here. Well, those beehives are going to help, if you don't mind us shooting them off. Make them count, kid. Donc, y a pas de barre de fatigue, donc tu fais des esquives à tirer la rigo. Ça aurait mérité quand même, ce que je viens de dire. Une petite barre de fatigue, voyez. Attends, j'entends encore du monde, voilà. Another one bites the dust. Après, les combos sont jolis, hein, en vrai. Hein. L'animation, c'est vraiment, vraiment classe. This is way worse than I thought. Do you hear them? The screams are coming from Major Oak. There's no time to waste. Il y avait un truc avec le miel. Death from above. Oh pétard, une attaque d'espèce de loin, là, une espèce de dague. Une grosse hache. Ok. Alors pendant la découverte, je suis pas sûr de pouvoir vous présenter tous les héros. On va voir. On va se perdre dans cette forêt. Faut que j'aille où?
Après, ça a l'air d'être quand même assez dirigiste, ça a l'air d'aller. En tout cas, les décors sont stylés. Hein. Si vous aimez la nature, ça rend très très bien. Looks like Major Oak is in trouble. What is happening? Donc, putain, ils vont les peindre, non? Spare my family. That would ruin the concept of a family tree, wouldn't it? Get a move on. Christmas has come early to Sherwood, and General Gisborne wants us to decorate his tree. C'est très drôle, l'espèce d'humour cloque comme il en peut plus. On a deux minutes pour sauver les gens, ok. Allez, Marianne, vas-y. Told to hide here, but the army found us. I'm so sorry. We're on our way to fixing this mess. Putain, ils ont mal fini, hein. Ok, donc c'est plutôt un JRPG action, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu comme un genre un Kingdom Hearts, un truc comme ça. Attention, je fais pas de comparaison folle avec le système des RPG ou le style. Je parle vraiment en termes de gameplay. Vous faites le lob, vous faites des attaques légères, attaques lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça m'a rappelé totalement Kingdom, bien sûr. Excellent jeu aussi. Hein. Alors, Gisborne, I knew it. That frustrated maniac is behind all this. Frustrated maniacs outside the Nottingham family? Phew. Well, that's newsworthy. Guy of Gisborne is an aspiring lord, a cruel man, but a fine tactician. At least Major Oak is out of trouble for now. Let's grab our explosives and blow up that bridge. Trying hard, are we? What did you expect? Respect. C'est vraiment assez agréable les combos. Voilà, il n'est pas prise de tête le jeu sur ça. Il vous laisse assez. Kind stranger. Voilà, à chaque partie run, est-ce qu'on retombe au niveau 1? Ça, je sais pas, les amis. Ça, je sais pas. Vu que je vais changer de personnage à chaque fois. Attends. Traverser l'arbre de cette façon. Vous êtes tranquille, vous. Il va se faire carrément un petit casse-croûte pique-nique, mon gars. Follow me. I know the way. Seems like you're not the only one. Listen. Il y a pas une garde d'ailleurs, je sais plus. Ah oui, oui, voilà, il y a une garde. Oui, oui, oui. Il faudrait peut-être de temps en temps que je l'utilise quand ça se passe mal. C'est un petit réflexe à avoir. Les touches sont plutôt effectivement modernes, vous voyez ce que je veux dire avec le RR2. Si vous jouez à l'ancienne, je pense que ce serait plutôt carré-triangle, vous voyez ce que je veux dire? Oh, ce coffre donne très très envie. Oh, ça peut pas la Marianne, hein? I'm tired of this. Give me a challenge. Tiens. That was painful. Vous avez vu le petit stalactite comme c'était stylé? Voilà, se servir des décors. Règle d'or. Damnation! They found our stash. What? That was our loot. They stole the stuff that we stole. Est-ce que... Non, je crois pas. Hein. Dommage, j'avais un coffre, mais comment on y va? Il est là.
Bon, par contre, on peut plus revenir en arrière. Hein. Et ouais, forcément, voilà, voilà, on a raté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la marionnette. C'est ça. Ah ben, il y a des trucs à récupérer, vous voyez, sur le coup. Mince, ils se sont fait enfermer. Je vais essayer de vous aider. Attendez, j'entendais un cri. Another one bites the dust. Ah. Oh! Taste my blade. Chacun votre tour. C'est carrément que j'utilise la lumière. C'est plus pour les croiser. Oh pétard! Marianne, tiens bon. I'm tired of this. Give me a challenge. Les gardes, bien joué. That looked painful. Oh là 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 là, espèce de traître. Putain, il fait que bouer. Ça y est, t'as plus de coffre, hein? Enfin, de coffre, de... Comment s'appelle-t-il? De bouclier? Voilà. Bouffé. C'est décoratif, là, on peut pas y aller. What are we going to do? I may have an idea, but it's a bit of a stretch, even for us. I suppose even your ideas are better than no ideas at all. Oh, pas petit Jean Frère Tuck, et tu peux pas y aller. Est-ce que donc ça veut dire c'est non? Ah, c'est la dégoût. Ah, c'est la déception. Oh là là là, on est déçu, hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je ne sais où aller. Qu'est-ce que t'en pensez? Je crois que je peux pas y aller sur ça, non? Bon. On y retourne dans la forêt. It's been an age, John. We should catch up sometime. Putain. Gisborne. This is between you and me. Show yourself and fight me like a man. A man? Such a limiting idea, Johnny boy. I am so much more Johnny than boy? You'll ever be. Oh, ce truc. Pétard, il utilise des espèces de cristaux. Oh! Elle a un moyen de se soigner, la petite? I'll fasten you to the ground. Ça va être compliqué, hein. Ça va mal finir. Tiens, va te faire piquer. Hop là. Chacun votre tour. Attention. C'est bourrin ça, lui, hein. Alors tu fais moins ton fou, hein. I'm tired of this. Give me a challenge. Ok, vous avez vu, on s'est servi des abeilles, on y a tout mis ce qu'on avait en stock. What the? Did you feel the earthquake? You wish. Something else is coming our way. Something worse. The people of Sherwood are dying. Help us, please. Ah. Ah. Okay. Pas des petites fleurs toutes jolies? Oh pétard, c'est quoi ce truc? Oh boy, that was close. Oh no, not them.
Here we go again. Alors. Small fry. Classy. Ok. Il manque un tout petit peu de variété déjà dans l'OST, tout ce qui est musique quand même, pour rentrer un petit peu dans les côtés négatifs. On a une jolie direction artistique, ça c'est un point positif. J'ai peut-être un petit peu peur des fois de la répétitivité du soft. John, probably a new Imperial machine. I'm not familiar with the latest models. Whatever it is, it's bad news. We have to take care of the bridge before more of these crossover. Voilà, ça reste fun et franchement ça c'est bien. C'est un bon petit défouloir. En coop, certainement, on doit se marrer bien comme il faut. Attends, c'est ça. Niveau gameplay, par contre, ça va. Franchement, voilà, vous voyez, c'est assez agressif, les personnages ont vraiment de bonnes variétés dans leurs coups et tout. À voir avec les combos, bien entendu, on est au début du jeu, alors bien sûr, c'est normal. Ça, on va découvrir au fur et à mesure. Oh là là, le gueux. Oh là 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 là, la déception. Bon, on va pouvoir remonter là-bas, c'est pas grave. Mayday, mayday, we located the rebels, sending coordinates. 179 north, 69 west of Edwinstone. Oh là là là, tout foireux. Le voleur de coffre. Là. On est ici. Yeah. Ça j'aime bien le truc que le mec avec la petite poursuite qu'il y a comme ça dans le combat et tout. Allez, bon. Oh, arrête de la taper là, quoi. Elle a arrêté. Mais oh. Oh là là. Classy. Ok, ah ouais. William. William, il a l'air d'être équipé de trucs un peu violents quand même. Hein. Oh, Willy just made it to the Legion championship. Don't let him distract you. C'est absolument pas normal. Aïe, 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 aïe. Oula, c'est fort. Ça. Oh mais c'est quoi cette histoire de péter qu'il en peut plus lui. En plus il a une espèce de... Oula, il envoie des bombes et tout. Ok mon gars, ouais, le gameplay va s'énerver là. Oh, holy shit. Oh mais il triche de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce espèce de ouf là de... Attention, il arrive. Putain, on a moitié déglingué. Oh, oh, oh. Marianne, mami. Ouais, elle a réussi. Ouh. Oh là là. C'est pas fini. C'est dommage qu'on n'a pas récupéré de la vie là. On est en danger... On est en danger violent. Oh, I feel bad leaving so many civilians behind. We cleared the way. They'll find shelter at Major Oak. The bridge is our priority. J'ai pris la mauvaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, là, j'en sais rien, moi. Ça a l'air d'être par là. Oh, fancy parting with a coin or two. Ok, c'est le niveau max. Merci beaucoup. Ok. You're next.
serait extrêmement fort de pouvoir bien entendu utiliser du loot d'armes et tout et tout. Oh, c'est futuriste là, c'est ce pont. Quel dé? Pourquoi on a fait un dé? Quel est des dés? Pétard, il y a un pêcheur fou sur deux. Je peux participer avec vous? Petit jeu de pêche. We must reach the communicator. But as I said, okay, it's going to be tricky. So this is your half-baked idea? Us playing bait for one of those Loxley's tears? Can we still vote for the no idea at all alternative? Ah ben voilà, j'allais dire ça sert à rien. Si, si, ça sert. Regardez. Ça, ils aiment bien, hein. Ils te font casser, ils te récompensent de casser les choses. Voilà. Ça fait vachement futuriste, là. C'est trop bizarre. Ça va mal finir. Requesting suppressing fire. 164 North, 44 West. Fire! Fire! The captain, the machine. Defender. May take a while. So, what do we do? We stand. Everyone, attack! They shall not pass. On va donner tout ce qu'on a. Oh, Marianne, bien joué ça. On fait un rambé parce qu'on s'est pris les gars, on s'est pris des déferlantes de coups, c'était terrible. Mais on n'est pas mort, on s'est pas fait, on n'est pas tombé à terre, rien, pas d'agonie, je sais pas ce que c'est. On peut se relever sûrement ou pas. Ok. Alors, on a eu un petit B, donc ça fait monter la note, donc tu gagnes plus de pièces d'or. Je pense pas que... Comment on pourrait dire? Ah, c'est par contre, ça c'est commun à tous, le rang. Tout à fait. Tous les héros gagnent le rang supérieur, en fait. D'accord. Même si tu as pas joué. Ouais, ça, j'aimerais vraiment, en vrai, qu'ils mettent des raretés d'armes et des améliorations. Alors, est-ce qu'il y a des... J'ai vu artefacts, ça peut encore rentrer dedans. On a gagné un fragment et une technique. Le fragment a débloqué le plein potentiel d'un héros. Les fragments altèrent les compétences de votre héros en débloquant diverses options et styles de jeu. Chaque fragment occupe un emplacement spécifique et chaque emplacement ne peut équiper qu'un fragment. Je comprends. Allez voir Flynn au bout en chaîne pour acheter et équiper vos fragments de héros. On va essayer de regarder avec vous. Alors, Flynn est où ? Le forgeron, Flynn. Donc, ils vont pas jouer sur le RPG, je le sens pas. Sur le coup, ça va jouer sur le... C'est un arbre de compétences ?
Donc, attaque légère. La dague d'Amoclès. Ça, c'est quand je reste appuyé sur L1, je crois. Dague rotative. Et l'autre, il est caché. Tu peux donc acheter attaque lourde, attaque légère, attaque lourde. Et là, c'est bloqué. J'ai pas encore le niveau. Donc, on va mettre. Ça, je vois pas trop. Ça, j'ai jamais fait. Comment tu fais ça? Qu'est-ce qui est poussé de flux? Même pas, je l'ai activé une seule fois. C'était stylé, ça, pourtant. Comment tu fais pour ce genre de petit téléport qui attaque? Ah, voilà, ça va être plus facile. Ah, putain, attendez, c'est escroquerie. Il faut que t'achètes, ça monte les prix. Non. Ouais, bon, le jeu va tourner sur les compétences et le prix est violent. J'ai mis tout mon or là-dessus. Looking to learn some new moves. Pétard, on est pauvre. Bon, ça on peut le faire. R1, R2, ouais. Voilà, après, voilà, il faut penser à faire les changements de combo. On peut le faire ici ? Ah, tu restes appuyé, ça fait ça, ok. Et derrière, on a une espèce de bouclier qui vient, vous avez vu, ça booste. Donc, on a joué Robin, on a joué Marianne, on va aller jouer... c'est quoi que ça, non? C'est lui ou pas? Ça a l'air. C'est ça, Frère Tuck, et... Ou qu'il est ensuite, non, non, ça c'est les options. Oh lui, ça a l'air d'être violent. Oh là là, il y en a qui vont kiffer, vraiment. J'annonce. It's been some time, hey. Ok, donc chaque héros va avoir ses petits combos et tout. Ma foi, ça c'est pas mal, c'est pas mal. A voir encore, peut-être qu'il faut rajouter des trucs, hein. Donc, attendez, activer la mission, on l'a pas fait. Putain, lui, il a une barre en bas, qu'est-ce que c'est? Alors, il est niveau 1. Est-ce que genre tu reprends Mariette qui est là? Est-ce qu'elle remonte en niveau? Fais voir. Ouais, reviens en niveau 1. Elle repart au niveau 1. C'est à chaque mission tu repars au niveau 1. Et c'est en faisant et en jouant dans la partie que tu montes au niveau. Quand même au bas. We stand with Sherwood. Ok, jusqu'à là, on peut comprendre. Donc c'est le dernier point de l'acte 1. C'est la mission numéro 3. Difficulté la plus élevée que toutes les autres. Et c'est pour Frère Tuck. Bon, on est arrivé à plus d'une heure de jeu. Déjà, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie et que le gameplay quand même vous intéresse. Voilà, n'oubliez pas plus tard de me laisser le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Alors, il y a des imperfections, hein, je peux vous le dire déjà main en main. Je reste quand même toujours assez positif comme joueur au début. Je m'amuse. You heard the general? Fire! No, don't shoot, idiots! They're on the bridge! You heard the general? Shoot the idiots on the bridge! I'm getting out of here. Retreat to Edwinstow! Edwinstow? We're coming for you, Gisborne! Bon, on va jouer le bourrin, ça va faire plaisir. Après, on finira avec Petit Jean, je pense, tranquillement. 4 missions auraient été logiques, non, pour un premier acte? Est-ce que les missions se farment et tout? Je vois pas l'utilité sur le coup. Est-ce qu'il y a des modes de jeu derrière? Je pense. On va découvrir. Hein. Sherwood is out of trouble for now. J'attends partir sur la forêt, franchement, c'est trop stylé. And terminate that fraud of a general once and for all. I love the confidence, but Guy of Gisborne is an evil mastermind, and we don't even have the slightest inkling of a plan. How does that differ from any other day? I'm so sick of that cannon making all that noise. Yeah, I know.
I haven't slept in ages. Oh la la, ce gameplay! Ah, si! Ah, c'est stylé, lui, la finesse, ça, je ne connais pas. Ok. Marianne était plus dans l'esquive, Romain plus dans la distance, lui c'est tout en bourrin. Ah, je sens que ça va être bien content déjà. Anyone? Come on! It's just the four of us, and he can't even mention us by name. Well, that's just commanding if you ask me. Je vais sortir son canon. Loxley's tears, less poetically known as Big Ass Cannon. Gros canon, tout à fait. How are we supposed to go home after work? I don't know. Oh, c'est sympa. Attends. J'ai trop envie de les pousser. On peut pas les pousser? Attention les pieds. Ouais, donc c'est un petit mélange en fait avec le passé et le futur. C'est ça déstabilise presque. C'est des égouts. There, the shaft. That's our way in. Stay low, friends. Quand il tape, il met un bouclier, les gars. Il est berserker. C'est-à-dire qu'il encaisse un qu'il tape. Bon, c'est violent. They're old smuggling tunnels, you moron. Why would anyone smuggle feces? Good lord. Excusez-moi, mais c'est trop bien! Ah, mais lui, il est pété, lui, non? T'es pété, oh! T'es pété! Keep your eyes peeled and look out for intruders! They don't know we're here. Yet. I don't intend to keep quiet for too long with those scums. We must move beyond the church to find a path to the cannon. Mais moi, je suis chaud pour vous détruire le canon, il n'y a pas de souci. Oh, il a des attaques chargées, regardez. Oh yeah. Well, well. What do we have here? Ok, donc on a gagné une vie supplémentaire. Si on tombe, on se relève. Look at all this look. Ah, il doit avoir des difficultés au-dessus de difficiles après, les gars. On est parti en normal, mais. This is everything we've got. Wrong. You don't have it anymore. Oh, those thugs. Let's get that stuff back to the people. You'll pay for this. Call the sheriff. Classy. Attendez, d'abord les archers, les gars. Donc si vous jouez à plusieurs, les gars, lui tanker pour les autres. Laissez Romain de distance. Et Marianne va s'occuper des ennemis un peu esselés. Et après, petit Jean, je sais pas, on n'a pas joué. I visited this place when I was just a little lad. The priest blessed my father's sword. You must be confused. There hasn't been a priest here for at least 300 years, John. I wouldn't mind having something to eat tonight. Oh, you have my gratitude. C'est moi qui ai toute ta gratitude. Merci à toi. D'accord, on est trop gros. Ok, attends. Où est-ce qu'il faut aller?
escalade pas. Et comment on fait? Ah, attends. Non, non, parce que j'y suis allé tout à l'heure, il n'y avait rien. Il y avait ici, mais c'est pas pour moi. Ah, pardon, excusez-moi. C'est, voilà, c'est plus pour approprier pour lui. La force avant tout. Damned magnetite gates. We won't pass. This model can't run without external generators. Look, alors, attendez, d'abord, les petits gardes. I'll break you. Oh! Pardon? J'arrive. Not so bad. Allez! Et là, ah ouais, le 1 contre 1, lui, il en a rien à carrer. Si jamais c'est un gros boss, lui, il faut frapper les boss avec lui, les gars. Cherchez pas à comprendre en équipe. Vous prenez un gros bourrin, voilà, le plus costaud. Vous allez dessus, vous mettez Marielle, comme je disais, qui fait les autres. Et tout. Franchement, il y a de la petite strat à faire. Et certainement, en équipe solo, ça doit être dur, hein. To go, we just have to follow the cables and kaboom them all. Kaboom? A tax collector. Oh là, la taxe. Taxer mon gars. I'm taking that to your memory. Take that, scum. Classy. Ben franchement les gars, le gameplay est trop plaisant en fait. Voilà. Pétard, ils ont tué les cochons, hein? Oh là là là, la catastrophe! Oh, là là, le. Comment il va faire maintenant, le pauvre paysan? On va les venger. C'est vraiment le mec qui s'en fout, quoi. Trop puissant. Ah, oh, c'est fort quand même, hein. C'est la violence, hein. C'est une boucherie, hein. Donc dès que c'est de la puissance, vous voyez, et là on peut prendre tous les coffres en fait, mais il faut jouer les... Grab this before the sheriff does. Oh, c'est trop fort. Ah, putain, mais c'est bloqué. Ah, c'est trop fort, vaut mieux même ça que la vie, hein. Oui, vas-y, comment on fait? Attends, je veux modifier, ouais. Faut que je reste appuyé? Over here. There's stuff to pick up. Ah ben j'arrive pas. C'est ça, on a inversé, c'est bon. Donc on a la gemme où on a invincible au dé... Ah vraiment c'est fort, hein. Ça veut dire qu'il peut plus m'arrêter. Oh putain, je vais faire un massacre. One more left between us and the church. Les petites ruelles et tout sont stylées, hein. Bon là vous avez vu qu'il y avait un petit chemin pour Marianne ou pour Robin, mais on peut pas y aller. J'arrive. Ah!
Le pire, c'est qu'il a une attaque de loin, les gars, aussi. Hein. Vous pouvez charger comme ça et faire... Vous voyez, c'est complètement foufou. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit truc à ouvrir? Non. Histoire de se faire un petit peu plus de pognon à la fin de la mission. On a détruit la dernière barrière qui nous bloquait le chemin tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, ça y est, elle n'y est plus. Ok, apparemment, il y a un petit comité d'accueil. Hey Doug, doesn't this feel like home to you? Churches were homes of the Lord before the sheriff closed them down. Ah oui, 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 c'est vrai qu'il est prêtre. Hein. Par contre, que fais-tu là, démon? Amaury, il a deux haches et tout, ça va être violent. Marianne, you stole my lunch when I was a kid. Now I'm hungry for bacon. Holy cow! Looks like you've been stealing everyone's oatmeal ever since, brother. Oh. Dinner at the Nosy must have been a riot. Say your prayers. Pas de bourrin. Oh là là, ça fait mal, hein. Mais il a souffert plus que nous. Ah, attendez, regardez. Petit coffre. Il y a deux coffres. Hey guys, jackpot. Non. Donc c'est des choix, c'est pénible ça. Je veux des cadeaux. Voilà, ça c'est cadeau. On est limité qu'à une place à chaque fois, c'est dur. Their beloved tears are manufactured in that place. This means we'll find more than enough explosive ammo to blast Gisborne's cannon to kingdom come. Speaking of kingdoms, how do we deal with the military camp between us and the factory? Oh, Tuck, always so rhetorical. Hop là. Plus tard, la vie ne tient qu'à la file. On va soigner un petit peu là, regardez. The people need your help. Oh, you're so kind. Wow. Qu'est-ce qui se passe? It's time to upgrade your nose. If you can't even smell an ambush anymore. I got an upgrade of my own. Courtesy at the Sheriff of Nottingham. Qu'est-ce qu'il veut? Lui veut t'attaquer? Guy of Gisborne. Part man, part tin can. Mostly tin can. Guy. Arcy! I remember your voice! Assassin! Qu'est-ce qui se passe? I was laughing when the sheriff stabbed your father. And I'm still laughing now. Robin of Locksley. Ha ha! Good times! Hey! These goons are poorly trained, Gisborne. I would die of shame if I was their general. It's Lord Gisborne now. That's the title I deserve. In exchange for your corpses. Say you're brave. Je donne tout ce que j'ai, hein. Sherwood's retribution. Smashing your sins away. Come on, Jesse. He just scooted off. Who does that? Murderers who already know they won't be laughing for much longer. I'll watch you light the wick after we stuff the dirtbag into his own cannon, Robin. To the factory. Before the enemy has time to regroup.
Putain, il s'est enfui, quoi. Alors, attendez, c'est encore un truc de artefact, on a quelque chose. On a déjà eu ça. Franchement, les décors et tout, c'est stylé, hein. J'apprécie, hein. We should remind him he was intruding before we did. Quick! Load another tear and fire at will! He sure does behave like he owns the place now. Okay, faut rentrer dans l'usine maintenant. Spare oui. Some gold, kind stranger. Niveau max. Up ahead. Feels like going to work. It's more like figuring out a way to go to work. Oh, which is odd. Allez, c'est bien. Ok, il y a de l'or. Ah. This place is bananas. They ferried all this energy to build the machine. Impressive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout casser? Je pense que ça a l'air d'être ça. Survivez. Survival. Still not loaded though. Let's get our hands dirty then. Push the enemy back until the car is ready. I'm smashing your sins away. Rave. You have been forgiven. Faut les DPS plus vite que ce que les gars arrivent. Extraordinaire. Grand moment. Ils arrivent. Say your prayers. Not so bad. I'll drink to your mouth. Oh là là, les amis. Mais des patates, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Quoi c'est? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? On n'a pas pris de coups, on est rien. Payload fully loaded. We're rolling, guys. Can't wait to light the candles on this fat cake. I can still see houses with a roof. Fire! Fire! My mace and that psycho's loud mouth. Okay, for sure. Made in heaven. His cannon was shut up first. Say your prayers. Okay, j'ai compris. Il y a un ennemi autour, il s'arrête. On a un tour pour monter dessus. Oh, on aurait voulu faire une promenade. C'est la résistance. On va y arriver. Ouais, ouais, on va, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui suis en train. C'est quite the welcome party, I'll give them that. Fireworks are on us. Shouldn't we be a tad concerned about the four-armed freak at this point? I've been concerned about him the whole time. Brains!
Traître. Tu m'attaques dans le dos, hein. Allez. Ça risque de se compliquer de plus en plus. Oh bonjour. Lui, là, il y a un combo de gros moins. Ah, ça se passe super. Ils nous ont mis à checkpoint et tout, c'est trop. Alors, on va venir, les gars, avec tout un attirail. J'espère que le canon il est prêt parce qu'on est en dessous. Hein. On dirait le canon de Midgard de Final Fantasy, un peu, tu sais. D'ailleurs, FF7 est grave envie de vous faire aussi. Allez, on pousse! Tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Chimère! This guy has more than a spoiled brat. If you can't even walk on the battlefield without assistance, you're too old for this job. The end justifies the means, John. Loren certainly does. Voilà, j'y suis allé un peu brutalement, on va dire, à la fin, hein. Top. Farewell, old foe. Your demise was long overdue. Yeah. I wish Sir Loxley had lived to see his enemy crawl like an armless spider. We squashed that insect. It's over. Robin, I am sorry for what my father did to yours. My father and all of them murdering worms will pay dearly. Victoire. Ah, ça va ramber quand même. Propre, hein. On a fait notre petit acte 1.
qu'on passe en rang suivant. Ouais! Bravo, bravo, bravo! Ok. Ça, c'est bon, ça. Il était super stylé, son gameplay. Hein. Incroyable. Donc ça débloque des nouvelles techniques. On a débloqué même des tenues. Instinct rebelle. Libérez le rebelle qui est en vous. Donc c'est un nouvel kappa. L'instinct rebelle est un état de surpuissance auquel votre héros peut accéder pour devenir beaucoup plus fort. Son activation nécessite 3 fragments de jauge rebelle et les épuise petit à petit. Quand l'instinct rebelle est activé, votre héros affiche de lourds dégâts et regagne progressivement de la santé. C'est très fort. En équipant des fragments spécifiques, vous ajoutez un effet bonus important qui reste actif jusqu'à l'épuisement de la jauge rebelle ou la désactivation de l'instinct rebelle. Alors, on l'a pas essayé, mais on l'a détenu. Looking for a new outfit. Alors ça, on les active. Ah, you sure look. On va prendre celui-là, il est trop stylé. Et là, on a une nouvelle kappa. Looking to gear up. Tu fais une charge énervée. Ouais, mais je reste pas longtemps appuyé comme au pétard. Oh, ça c'est fort. Thank you for your business. Ah, mais sur le coup, tu peux tout acheter quand même. D'accord, je sais que t'avais des choix, même pas en fait. Tu prends tout. Ok, pas de prise de tête. Ok. Alors, comment ça fonctionne la suite? On va essayer, on va passer sur. Voilà. Sur Petit Jean. Alors lui, ça va être corps à corps et tout. Des attaques au point. Est-ce que t'as pas des tenues plus jolies? Bah, on a à chaque fois les deux, hein. My clothes are all handmade. Ok. Et c'est quoi lui qui vend là? Ah ouais, les compassions. Looking to learn some new moves. Ok, c'est important les mouvements. Chaque fois on a pas de sous, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah pétard, je savais pas. Ça veut dire que chaque héros a leur trésorerie. Regardez, regardez-moi ces histoires. Tu vois? Bah oui. Back in action. Ok, donc chaque héros a leur argent. Ok, donc il faut farmer tous les personnages à part un. Et c'est pas un argent commun, tout simplement. Pas de compte commun. C'est ça. Des genres de trucs à récupérer. Ah oui. Ah oui, c'est une salle au trésor. C'est une salle au trophée, pardon. Oui, ça fonctionne, trésor, trophée. Cool. Et après, quand t'as fait tout le jeu, t'as tous les trucs. Alors, je sais pas comment le jeu va fonctionner, ce qu'il va rajouter, comment... Est-ce que c'est des trucs gratuits? Je sais pas. Bah, pour le moment... On a l'assaut de bélier qui est activé. L'acte 2. Alors l'assaut de bélier, c'est certainement un nouveau mode de jeu. Grâce à l'embuscade surprise, la bande a une chance unique d'arrêter le bélier avant qu'il ne cause plus de ravages et ne provoque la chute de la résistance. C'est un truc de farm apparemment ça. Parce que c'est une mission spécifique. Après, vous pouvez refaire les missions, bien entendu, regagner les trésors. Euh,
Voilà, là il y aurait l'acte 2, à chaque fois 3 missions. Ok. Faire 4500. Ah ouais, là ça commence à s'énerver. Acte 3, l'abîme du tyran. Ok, donc en gros, chaque acte débloque, vous voyez ici un truc. L'acte 2 devrait peut-être prendre Barwoon ou l'abîme du tyran. Et l'acte 3, l'abîme. L'abîme du tyran ou Barwoon d'honneur. Le Barwoon d'honneur. On sait pas. Voilà, ça je sais pas. À chaque fois qu'on finit un acte, vous gagnez un mode spécifique. Allez, on va faire ça avec Petit Jean. J'arrive. Et on leur a fait là, déjà la découverte comme il faut. Donc franchement c'est pas mal hein. Troisième personne. The ram is right behind me! Turn some of my friends into doormats! I almost didn't make it! Keep it together, lads! You're safe now! Phew! You did a good job leading the machine to us! Huh? But it's just the four of you! Where is your army? Who needs an army when you have explosives? Right. Well, I wouldn't mind both, but hey, beggars can't be choosers. C'est trop bien fait et tout, hein, en vrai. Bon, là, on va affronter l'assaut du bélier. Ça a l'air violent. Pour le moment, on a tout passé, mais là, peut-être qu'on va tomber sur un hic. Est-ce que c'est une horde? Je ne sais pas. En tout cas, on est prêt. C'est vrai que c'est un boss directement. Oui. Mais c'est pas là, ça s'est mal passé. Hein. Oh là là, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on est là. Ok. Putain, fais pas de dégâts. Qu'est-ce que c'est que cette barre de vie? Eh ben, holy shit! Oh, c'est triste. Oh là 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 là.
On est en train de lui mettre tête au carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit Jean! Ah là 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 là, des moments terribles. Robin of Locksley. Brian Little John. Quoi faire, il te demande de rechoisir à chaque fois et tout comme ça. Bon, on va partir direct avec. Oh, c'est ça, c'est dommage. Je vous le laisse, hein, bien entendu, c'est normal. C'est vous voyez tout en temps réel comme ça. Je vous l'ai fait d'une traite, sans montage ni rien, cette vidéo. Et c'est dommage ça. Petit bug inutile là. On était bien dans la mission. Je commence à taper. Il est plutôt bon, hein, petit Jean. Hein, voilà, il est beaucoup moins bourrin que Toc. Frère. Alors attendez, parce qu'on va y retourner. Come and see my new masterpiece. Oh, it won't bite you. Putain, on était totalement présent. Oui, non, mais va pas recommencer, hein. Oh, it's coming. Hein, t'as fait bêtise là. T'as fait bêtise. Faut recommencer le boss. Elle avait moitié de vie. Ok. Il a activé son pattern numéro 2 énervé. Donc c'est un gros boss, c'est un combat comme ça puriste. Donc pour le moment il y a 3 arts, ils vont rajouter des trucs, c'est obligé. Ça fait un peu... Ah, par contre ça c'est un peu abusé que tu tombes dessus quand tu l'ouvres. Eh ben voilà. Bon mais il y a un bug. Et on peut rien faire. Donc voilà. On ne peut rien faire malheureusement. J'arriverai pas à vous proposer le truc en fait. Je pense que c'est qu'il te tombe sur la tête. C'est ça le truc. Je vais essayer de partir sur le côté, d'accord, pour vous montrer si... Ils vont patcher ça, hein, à mon avis, c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, mais bon, ça casse le truc. Ça casse le délire. Attendez, on était bien dans ce Gang of Sherwood. Oh, petit Jean, il veut pas te laisser jouer tranquille. Qu'est-ce que ces conneries? Allez, on retente une dernière fois parce que je suis terriblement têtu. Et si ça fonctionne pas, ben, faudra se ramener à l'évident. Surtout qu'en plus, à chaque fois qu'il y a le truc, faut que je me mette sur le coin peut-être. Ouais, ça doit être ça. Tu te mets en dessous. Mais bon, tout de même. Allez, go. Bon après les activations de mission et tout c'est plutôt sympa. Voilà un petit côté RPG, moi j'aurais pas dit non, tu fais plus en plus de dégâts et tout. Alors, tu débloques des combos, c'est une tout à fait intéressant. T'as des artefacts, t'as toutes tes compétences activées, c'est très fun, voilà, c'est déjà pas mal. Mais rajouter aussi des armes aurait été sympa, après c'est mon avis. D'un autre côté, vous allez me dire, vous n'avez pas de problème d'équilibrage, vous voyez ce que je veux dire? Le boss, il peut être battu. C'est pas parce que vous n'avez pas le niveau, c'est parce que vous avez mal joué. Ça va sans doute. J'aurais voulu vous tapasser du taureau avec petit Jean. Passer le niveau et voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on farm?
regardez. Comment tu fais? Ah, ça a l'air bon là, non? Là, il va pas tomber dessus là. Si, si. Bon. Eh ben, il est pas faisable. Hein. Eh ben, tant pis, voilà, je n'y arrive pas. Ben, c'est dommage, hein, c'est comme ça. C'est la tristesse. Erreur envoyée 3 fois d'affilée. Je peux pas le faire pour le moment. Eh ben, tant pis, c'était la découverte. C'est assez rare que je vous finisse une découverte sur un gros bug comme ça. Surtout que je vois pas ce que c'est le problème. Bon, tu tombes, et alors? Ça bug ça de tomber? Eh ben voilà les amis. N'hésitez pas à me demander si vous voulez qu'on fasse les autres actes et que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Abonne-toi pour pas rater les prochains contenus sur la chaîne. Voilà, pour ceux qui kiffent le One Piece, il va y avoir d'autres qui vont arriver. Pour les autres qui font. Vous avez apprécié Rang of Sherwood, n'hésitez pas à me dire. Quant à nous, on va se faire des bisous. Voilà, on n'aura pas réussi à affronter le taureau, je ne peux rien faire. Espérons qu'il patch déjà. Mais à la limite, les amis, si j'arrive, je vous le diffuse juste la vidéo spéciale pour le petit taureau. Pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Et pour comme ça le voir directement de cette façon. C'est tout aussi sympathique. Et quant à nous, on va se laisser là-dessus. Moi, je me suis quand même bien amusé. Le jeu est très fun. Il y a un gameplay plutôt sympathique. Voilà, j'espère franchement, il faudrait qu'il rajoute quand même pas mal de contenu. Je trouve que c'est un peu léger, franchement. Hein. Niveau ce que tu débloques et tout. Bon, après, t'as des rings, t'as des machins pour améliorer ton personnage, t'as les compétences. Déjà, rien qu'à faire tout le personnage et les 4, les monter, c'est plutôt bien. Sachant qu'à mon avis, je ne pense pas qu'ils rajouteront des personnages, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, est-ce qu'il y a une feuille de route et tout. Donc voilà, si par contre, vous avez également des informations, n'hésitez pas. Voilà, sur la chaîne, vous savez, je vous propose des contenus, hein, je fais des découvertes. Si le jeu a un gros potentiel, le jeu continue. Le jeu a l'air d'avoir un potentiel plutôt sympathique. Moi, j'apprécie la direction artistique. J'aime le gameplay. Voilà. Le truc qui manque, c'est quand même le contenu niveau 3 actes. Je trouve ça un peu léger. Ça veut dire que normalement, il y aura 9 missions. Vous voyez, 9 missions, 3 boss. C'est des boss alternatifs. Après, vous pouvez refaire les missions et tout et tout. Je joue en coop avec vos amis. Bon, ben, c'est une tuerie. Hein. Voilà, franchement, c'est trop bien. Non, mais vraiment. Là, vous jouez à 4. Ben voilà, vous allez vous régaler. Sinon, voilà, le contenu est un petit peu fébrile quand même, hein, il faut avouer, voilà, pour l'instant. Et ensuite, question, il n'y a vraiment pas d'autre chose à dire, voilà, on a vu le gameplay, on a vu le contenu. C'est un univers avec Robin des Bois, c'est plutôt joli, hein, voilà. Et voilà, le graphisme, il manque un petit peu de texture sur certains points, mais c'est joli, c'est mignon, vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est quand même soigné, c'est pas fait à l'arrache. Il manque de la texture, je pense, sur les personnages, la peau, tout ça, il pourrait faire un poil mieux. Mais voilà, l'ensemble reste sympathique pour le niveau graphisme. Au niveau gameplay, voilà, ce que je vous ai dit, c'est vraiment, et que j'aimerais qu'il rajoute, hein, ben, ce serait du RPG, hein, que le personnage, ben, tu montes des niveaux, enfin, tu as des armes, et en même temps que tu t'améliores les rangs, vous voyez, elles deviennent plus puissantes et que tu peux faire un petit peu de build. Ça, en coop, ça aurait été bien. Et tu cumules ça avec plus d'ennemis à l'écran. Tu fais un genre de beat'em up là-dessus, ça aurait claqué. Vous voyez, je veux dire, une quinzaine, vingtaine d'ennemis, tu les défouailles. Je pense que ça aurait amené un peu plus. Voilà. Parce que moi, j'adore le jeu de coop. C'est un de mes styles préférés. Et voilà, quant à nous, on va se laisser là-dessus. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour d'autres contenus sur la chaîne. A très très vite, des bisous.